Ça prend photo direct, les gars. Allez. Ah merci, ah merci, ah merci. Ça, c'est pas ce que vous pensez, hein. Ça n'a rien à voir. Yeah. Bon, ici les gars, pour traverser la route, c'est l'aventure. Yeah, I don't like the way you are asking me that, you know. Putain, je t'amène sur une note un peu salée là, c'est chiant. Bienvenue dans la petite ville tranquille de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Et aujourd'hui, je suis en plein milieu d'une intersection. Et comme tu peux le voir, c'est une fanfaronnade de klaxons. Les gens, ils aiment bien s'amuser avec les klaxons ici. Ils aiment bien en abuser. Même s'il n'y a pas forcément de difficulté, hop, on va essayer de traverser tranquille. Aujourd'hui, dans cette capitale de Dhaka. Waouh! Dans cette capitale de Dhaka, et on va essayer d'explorer un petit peu ça en mode freestyle, parce que vraiment là je sais pas du tout où est-ce que je vais, et on va essayer de se trouver à manger puisque j'ai jeûné depuis hier, enfin j'ai pas mangé du tout, donc là ça commence à creuser légèrement. Et si accessoirement on peut se trouver un petit coiffeur pas piqué des hannetons, et bien ça ferait plaisir aussi. Moi ça, il y a des beaux bâtiments ici, il y a des belles routes, ça fait plaisir. On est au Bangladesh les gars, et c'est parti. Ouais, ce qui est fou, c'est que je marche sur cette route depuis littéralement 5 minutes. Il y a déjà 4-5 personnes qui m'ont dit bonjour et qui m'ont souhaité la bienvenue ici au Bangladesh. Donc tu captes un peu la vibe du pays. Ça fait trop plaisir, ça fait déjà quand même quelques jours que je suis là. Hein. Bangladesh, j'ai quand même pas mal expérimenté ça et c'est trop cool. Et ça change pas d'une ville à une autre, regarde-moi ça. Là. Cet énorme bâtiment avec tous les fils, alors je sais pas exactement par où est-ce qu'on peut aller. Pour trouver de la street food. Et moi, c'est un petit minaret de mosquée juste là-bas, très très sympa. Et on a les douches locaux, on va essayer de traverser. Ouh, là-bas, il y a l'air d'avoir un espèce de petit marché. Ah, ok. Ouais, et puis il faut faire attention, et caméra. Faut faire attention où on marche parce que du coup, voilà, il n'y a pas grande priorité, pas vraiment de code de la route, c'est plus le plus fort qui va passer, celui qui a plus de coronets. Et qui va passer, donc faut faire très attention à toi, même si finalement en fait ils savent mieux conduire que nous, puisqu'ils arrivent à éviter les accidents. Ce qui est plutôt impressionnant quand même, on va pas se mentir. Et là on est dans ce qui semblerait être un autre marché, enfin regarde-moi tous ces parasols là-bas. Mais est-ce que c'est ça? Oh. Et puis là t'as la mosquée, plutôt incroyable, qui a l'air plutôt grande. Et tu sens littéralement toutes ces odeurs qui sont mélangées. Salam alaikum. Ces odeurs qui sont mélangées là, non seulement avec l'humidité, waouh, sympa la petite arche comme ça là, avec l'humidité, avec les épices et un peu avec la saleté, on va pas se mentir. Donc ça, c'est une odeur qui est vraiment spéciale, très particulière quoi. Là tu peux voir qu'il y a beaucoup de monde qui attendent sûrement pour le bus. Et on va pas attendre pour le bus. Alors, je sais pas si, ah ça doit être pour là-bas, regarde, Gate One. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de station de bus juste ici. Et là on marche, mais on ne sait pas où on va quoi. Oh regardez-moi ça, c'est ce qui semble être de la canne à sucre. Regardez-moi ça, on va écouter ça. Salam alaikum. How much for one? One is possible? Yeah. Ok. Donc, il va essayer de nous faire de jus de canne à sucre. Par contre, tu peux voir que là, c'est pressé là-dedans. C'est l'anglaçon. Et après le jus et la cuillère là-bas, tu peux voir. Ça fait beaucoup de bruit. On va attendre que nous serve un petit jus de sucre. Bien plus loin. Regarde-moi ça. Petit jus de canne à sucre. Bon lavage, thank you. On va goûter ça. C'est parti. Hein. Jus de canne à sucre fraîchement pressé. Bon, c'est super bon. On peut penser au lait de coco. Dommage que les mecs parlent pas trop anglais quoi. Je parle en signe de tête. C'est plutôt mal, non mal. On va te dire. Hey, what's up? Can you ask me like how much is it? How much?
How much is it? It's okay? 20. Ah, 20, okay, no. Yes, keep the change, keep the change, okay. Okay. Okay, thank you so much. What's your name? Mohammed Khalil Rahman. Tomorrow name? Mohammed Khalil Rahman. Wow, it's complicated, like, nice to meet you. Happy name. Nice to meet you. Thibaut. Thank you so much. Guys, bye, ciao. Thank you, bye-bye. Bon, très très bon ce petit jus de canne à sucre là. J'avais très soif, j'ai presque cul sec. Et on est encore dans ce le coq de téléphone, ils vendent un peu de tout. Et c'était vraiment bon. Et puis tu vois, en fait, dès que tu t'arrêtes 2 minutes, eh bien t'as des gens qui viennent te voir et qui te demandent comment tu t'appelles, si ça va bien. Et c'est très 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 cool. Salam alaikum. How are you? I'm doing fine, and you? Salam alaikum. Ouh là là, ça a l'air trop beau ça. Et du coup, pour finir, c'était 50. Enfin, c'était 20. J'avais pas réussi à avoir le prix, donc 20 c'est l'équivalent de 60. Salam alaikum. How are you doing? Good? Good? Salam alaikum. Comment est-ce que tu es? Santor. Santor? Nice to meet you. Thibaut. 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 Santor. Ok, cool. Cool, trop sympa les mecs. Du coup c'était 20 centimes, enfin c'était 20 takas, donc à peu près 18 centimes, donc c'était vraiment pas grand chose, je vais laisser la monnaie. Parce que bon. Salam alaikum. What is this? Pelguri. Pergui? Pelguri. Pergui. Ok. Yeah, please. One plate. This one is ready? Ok. Thank you. Ok. Chili. Green chili. Hein? Green chili. Chili? No, it's okay. Chili is like. Chili is. Thank you so much. Ok, faut que je le pousse quelque part. Thank you so much. Ok. Il voulait pas trop que je pose sur son truc, apparemment. On va goûter ça ici. Hop là. C'est pas cool. C'est assez bon, bah c'est assez écœurant quand même. Dès la première bouchée, c'est relativement écœurant. Petit green. Hein? Petit green chili. Non, it's okay, thank you. Don't know about, thank you. Alors, c'est un tout petit peu écœurant, mais c'est très bon avec toutes les vegetables qu'il y a à l'intérieur. On va utiliser un boucher. Ça prend photo direct, les gars. Allez. Ok. You know where is it? Yes. You know France? Yes, I know. From Dakar? Yes. Okay. It's spicy, like Nice, it's spicy. This one is spicy. Baby. Yeah, it's a bit spicy. Yeah. Attends, j'ai mangé un bout là. Oh, wow. C'est un peu. Ça fait suer. Hein. Il fait chaud. Hein? Do you have water or something? Yes. Wow, putain, attends, ils vont appeler. C'est incroyable. Hey, gaga! Yeah, please. Cool water? How much is it? Oh, yeah, cool water if you have. Yes. Yeah, cold one if you have. This one. Oh, thank you so much. How much is it? 20. 20, okay. We have the change on. Yes, of course. Please. Thank you so much. No, no bad. Thank you. Woo. Can you hold me that, please? Thank you so much. Les gars, c'est une épreuve, hein. Thank you. How much is it? How much? 30. 30, okay. Keep one selfie? Yeah, no problem. Oh, for you. You can keep the change, it's okay. Okay, bye, ciao. Ciao. No, it's okay. Keep it, it's okay. No, it's okay. Keep it. Ciao. Hi, thank you. Hey, salam alaikum. Oh, la folie. Je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer là. C'était limite à un spectacle.
Oh attends, bon, on va passer par là. C'était limite un spectacle là, hein. Waouh, ça pique encore. Je sais pas si t'as vu tout le monde qu'il y avait. C'est vraiment le madness. Hein. J'arrive pas à... Hey. You want... Yeah, ok, let's go. Allez, c'est un truc un petit peu imprévu, c'est parti. On va sur les petits... Ils étaient grave sympas avec nous. En plus, ça s'appelle, alors je sais pas comment ça s'appelle. Tomara Namki. Johnny. Johnny, nice to meet you, Johnny. Hi. Waouh. Regardez-moi ça, les gars. Il y a encore plein de street food partout, mais je suis pas sûr de pouvoir sincèrement encaisser tout ça, quoi. Je suis pas sûr de pouvoir encaisser. Et en plus, faire tout ça à une main, c'est franchement pas. C'est pas des lol. Encore un petit peu de canne à sucre. Ça a l'air très 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 commun ici. Et là on fait littéralement un petit tour de vélo quoi. Regarde-moi ce bâtiment en rénovation là. Alors je pense qu'il y en a qui pourraient clairement penser qu'on exploite les gens en faisant ça quoi. Les mecs qui pédalent et puis toi tu es là derrière en train de te la plaie douce. Mais c'est vraiment dans la culture ici, regarde. Tout le monde fait littéralement ça. Il y a vraiment tout le monde qui utilise ça, il y en a vraiment partout, c'est vraiment un moyen de se déplacer qui est très 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 commun quoi. Et purée, là on traverse littéralement en plein milieu de la route, je sais pas comment ça se passe pour l'or, enfin il n'y a pas de règle, tu peux limite y aller à contresens, ça fonctionnerait sûrement. Et je ne sais pas du tout, ils m'emmènent, mais tu peux voir qu'il y a quand même des beaux bâtiments, des très très beaux gratte-ciels. Des très 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 beaux gratte-ciels. C'est très bien urbanisé, je trouve, honnêtement, le Bangladesh. On se douterait pas, franchement, comme ça, en venant de venir, mais c'est très, très, très cool. Et en plus, on a le droit. On a le droit. Et en plus, on a le droit à un petit chant. Regarde-moi ces cigognes, là. Cigognes, je pense. Salam alaikum. Wow, regardez-moi ce bâtiment, il est fou. Complètement fou, fou dans le miroir. C'est impressionnant. Très 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 impressionnant. Salam alaikum. Do you know where I can find like a haircut? Huh? You know like a haircut? Yes. Yeah, yeah. If you can show me a place where I can find a coiffeur, hairdresser. Oh, regarde-moi ça. En fait, c'est un mix entre chaotique et organisé à la fois. Parce que là, bon, t'as les travaux en plein milieu, et puis à côté, t'as des trucs super propres, comme ces ponts, comme certains édifices. Donc, vraiment, ça va. Waouh. Là, on a une voiture qui va passer sur le côté. Et il roule à droite ici. Alors regardez-moi ce vélo. Et j'ai vraiment aucun doute. Salam alaikum. J'ai vraiment aucun doute sur le fait que ces mecs pourraient faire le tour de France 10 fois d'affilée sans même plier. Parce qu'ils roulent comme ça toute la journée. Ils ont un mec à l'arrière. Plusieurs personnes. Tu vois, il y en a, ils sont 2-3 à l'arrière. Pourquoi ça doit bien pousser sur les mollets, tout ça, sur les cuisses. Voilà, on arrive dans une zone là, avec ce petit arche qui a l'air un petit peu plus pauvre que les autres. Regarde-moi ça là, les maisons qui sont littéralement les uns à côté des autres, les apparts là. Et tout le monde étend son âge. Par les autres côtés. Je sais vraiment pas où est-ce qu'il va aller là. Vraiment, il va m'emmener, il va me. Je sais pas ce qu'il va me faire, mais je... C'est donc aussi complexe de trouver un coiffeur à Dakar, alors qu'il y a 20 millions d'habitants ici. That's the question, bro. Ah, here. Ok. Perfect. Thank you so much. Hop là. Salam alaikum. Boshin. Ok. How much is it? Boshin. How much is it? How much? Denami. How much is it? Denami. How much? Je crois qu'il veut que je lui donne un montant aléatoire. J'ai regardé ce que j'ai dans ma poche. It's ok? How much you want? How much? Tu veux combien? Putain, attends, c'est compliqué là. Attends, je sais pas, ça fait combien ça? Yeah, this is okay? No, pas 500, c'est 500. On a de dégoûter ici là. Okay,
Ok, je vais te donner ça. Hop. Hop, ça fait combien? Ça fait 150. Hop. Oh. Hop, here for you. If you don't mind, can I ask him? Can you ask him how much is it? Which place you come? I have no idea, but ask him the price. How many times you arrived this car? Maybe like 10, 15 minutes, something like that. 10, 15 minutes? Yeah. 10-15 minutes, which place you come? 10-15 minutes? Huh? He told me only 10-15 minutes. Huh? He told me only 10-15 minutes you come this year. I have no idea. I didn't like have the watch, you know, like, but maybe, ask him the price. Maybe 30 minutes? No, it wasn't 40 minutes. I'm sure. 30 minutes? I'm sure, like, I'm recording at the same time and I know it's not 40, you know. He told me 1 hour you arrived this year. Huh? 1 hour? 1 hour? No. I'm recording everything, you know. We can see, you know, but you know, like, it's not 1 hour, like. C'est compliqué là, de... je suis un peu gêné en même temps. Je sais pas trop combien il faut donner, et puis le mec me demande 500 quoi. J'ai pas du tout envie d'abuser et de donner à tout le monde comme ça, distribuer de la thune. How much are you paying? Yes, that's what I wanted to give him. 150. That's what you give? Usually? And 150. Is there a problem or? No. Because he's showing me like he wants food, like. You told me we are poor family. You give me. Ah yeah, but it's not like this. You know, I'm paying for a service, not for. You know, I can give to every people like this. You know, it's a service. You know. It's okay or it's where are you going? Okay. Just here in the address. Yeah. Haircut, yeah. There is some big place you go here. Uh-huh. There is a big salon room. Okay. You go there. Come with me. No, it's okay. I'm going to go here. Okay. It's okay. But is it okay with him or okay. He's unhappy or? Okay. It's okay. You sure? No. Enough. Okay. Bye. Don't know about. Thank you. Whoa. Salam alaikum. How are you doing? Salam alaikum. Salam alaikum. Can I record? It's okay? If I record, like, record? It's okay? Yeah, it's okay? Okay. You? Yeah, okay. Regardez. On se fait un petit rafraîchissement, là. Okay, tout le monde qui arrive, là. Petit rafraîchissement de coiffure, là. Ça va être sympa. Et je suis un peu gêné pour ce qui vient de se passer, là, parce que je sais pas, en fait. Est-ce que le mec voulait gratter? Est-ce que c'est moi qui ai pas donné assez? Hein? What? Your county? France. France, you from Dakar? What is your name? Thibaut. My name is Nayan. Tomara Namki? My name is Nayan. Rayan? Rayan. Nice to meet you. You? Tomara Namki? Rayan. Comment? Anwar. Nice to meet you. Wow. Il y a plein de gens qui sont rejoints dans ce. Can I sit here? Okay. Perfect. So I know some France language. Because last 6 years I'm living in Mauritius. Oh really? Mauritius? They are speaking French here, yeah? Some of them. Salam alaikum. You know what? What? Your nightmare. Amy Martinez is in Dhaka right now. Amy Martinez? Yes. Who is Argentine it? Argentine goalkeeper. Ah. Yeah, they won the World Cup. Yeah, yes. That's okay. That's why I don't want to hear it. That's I don't want why to hear it. I call that your nightmare. It's not girly. Are you from Argentina or are you from France? I'm a French. For Messi. Yes. That's okay. No worries. You can still be friends. That's okay. Next time, probably. Okay, next time. Oh purée, on se fait charrier comme ça, les Français, on a vraiment pas de chance, quoi. Mais bon, on était quand même en finale, ça va. Ça fait 5 minutes qu'on attend. Et il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent. C'est vraiment particulier, tu peux voir ça que ici, quoi. Des mecs qui s'arrêtent devant toi sans parler. Et en te regardant, tout fixement dans les yeux. This is France top Delu, non? Hein? Delu? De l'eau, ouais. De l'eau. Ah, you know de l'eau? I know some. Ah, you know some. Oh, cool. Because of Mauritius.
Yeah. Okay. Go. Can I go? Okay, thanks. Okay, I'm staying. You stay here? Are you sure? No problem. You're not okay. Attends, les gens prennent leur temps pour me regarder, me faire couper les cheveux. Très particulier. Hop, et bon, ça là. Petit setup sympa. Hop. Petit setup sympa, les gars. On a tout ce qu'il faut. Pour trouver les petits enfants. C'est plutôt propre, franchement. C'est plutôt propre. Il a dit que c'était 80 roupies, 80 takas. Le air cup, donc c'est parti, les gars. Je suis vraiment très très confiant. Très très confiant. You go? Non, non, ok, thank you. Ok. J'ai l'impression que je suis au zoo en fait, là, en mode. Eux, ils me regardent me faire couper les cheveux, je suis une. Bête de spectacle, quoi. Après, ils voulaient demander s'il avait fini ou pas. En fait, t'avais des vieilles délimitations de Perceval qui se seraient vues. Donc, je vais demander qu'il ajuste un peu pour que. Voilà, exactement ce qu'il est en train de faire. On voit moins la délimitation des trucs, quoi. Franchement, c'est plutôt propre, c'est rapide, c'est efficace, c'est tout ce qu'on demande. Wow. C'est cool, vraiment, ils prennent beaucoup de soin. It's okay? Don't know bad. C'est cool parce qu'ils prennent vraiment tout le temps pour faire. Hein? Yeah. Exactly. C'est exactement ce que je vais faire. We have change? Yeah. C'est 80, les gars. On va encore trouver moins cher que la Gambie. Thank you so much. Merci. Bonjour, merci. And yeah for you. Yeah for you. Yeah for you. Oh, thank you. Thank you so much. Bonjour, merci. Hein? Merci. Merci? Merci? Non, toi, bonjour, merci. Merci? Thank you. Ah, Donobat. Merci. Bonjour, France. Ah, yeah, you know France. Ok, thank you so much. Bye bye, Donobat. Bon, là on est fraîche. On est beau gosse, j'espère. Franchement, ça a l'air d'être très sympa. Putain, 80 roupies, ça fait combien ça? J'ai échangé mon. Very good, and you, fine? Yo, good, cool. J'ai échangé mes euros à 1 euro égale 119 taka. Donc, ouais, c'est vraiment. C'est vraiment pas grand, je crois que c'est moins cher que la Gambie du coup. Now, franchement propre. Now we are visit two temple. Two temple? Yeah, this is two temple. Ok. Yeah. Let's go visit. No problem. Because I'm give you time because I'm quarreling my father and mother today. Ah, you are helping your father and mother? Yeah. Oh, so what's your name again? My name is Diplodas. Das. Diplodas? Diplodas. Diplodas. Yeah. Okay. So I'm visit this year. Okay, perfect. Is it far away or? No problem. Okay, no problem. Today, tomorrow. Today, because tomorrow. My holiday. Okay, but is it far away, the temple? Yeah. Well, what's the name again? Yeah. Hare Krishna Mandir. Okay. Okay. It's like a Muslim temple, Hinduist temple? No. Just all relationship people is coming in here. Okay. Hindu, Muslim, okay. Christian, justice. It's no problem. Okay. This is the temple here? Oh, wow! Petit parking souterrain. Can I film him? Can I record? Yeah, it's okay. Are you opening shoes? Yeah, I'll take off my shoes. Okay. 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 Ok
paye toute fois sa part. C'est un immense stand. Il y a plein d'espèces de boutiques à l'intérieur qui vendent des produits religieux. Bon, et puis les gars, ça, c'est pas ce que vous pensez. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est le signe. Ça n'a rien à voir avec les Allemands. C'est le signe des Hindous à la base. C'est même lui, tonton Dolphy, qui a volé ce signe et qui l'a mis à sa sauce. Alors que de base, c'était un signe hindou en fait. Et là, tu peux clairement voir, c'est la première fois que je le vois. C'est très impressionnant de le voir ça comme ça. Ah, so here, they don't say salam alaikum. They say, what do they say? Moi, pas quand c'est ça. Okay, sorry. I didn't. Right. So, what do you say? Namoshka. Namoshka. Ok, namoshka. Putain, j'ai même pas réfléchi, je suis trop con. Je continue à dire salam alaikum alors que. Namoshka. Je continue à dire salam alaikum alors qu'on est dans un temps plein de risques. Rien à voir, je suis hors sujet. Ouais. Ok, let's go. Oh, namaste. Namaste. Okay, what are they doing here? These people are teaching the another man. Ah, okay. They are teaching the religion? Yeah. Okay, cool. Hey, namaste. Good. You want to enter? Huh? Okay. Wow. Feel good here? Like AC? Yeah. AC, yeah, wow. AC feels good. Big people is standing here. Big people? Sitting is here. Okay, sitting is here. Yeah. Okay. That's where I'm at. Okay, thank you so much. You don't have a seat. Wow. Oh, look, he's a good clean now. Tu vas poser? To poser? What do you want me to say? You know some English? You know some English? Tomar a namki. Our name is Sundar Kanto Goldas. Wow, that's your whole name? Sundar Kanto. Sundar Kanto? Small name is Sundar. Ah, Sundar, okay. Yeah, it's easier to remember, you know. Kanto is title. Ah, okay. Okay, now Sundar is title. Sundar, okay. Okay. Thanks for welcoming me here, guys. You are from? France. France. Yeah, from France. Yeah. When you came to Bangkok? Bonjour. You speak French? No. Just one word. Yeah, but that's better than nothing. Huh? You know Allah? Yeah, I know Allah. This dress is put only the same man. Okay, and he teach another people like they. But like it's for Hinduist. Yeah. This is the dress yeah, for. Yeah, he teach him. Okay. But who is the god for Hinduist? Another god. What's his name? You... Hare Krishna. Ma Durga. There are several? Yeah. Oh, okay. That's a huge question if you have to answer. Huh? Like, it's a simple question. Yeah. But the answer is not. Yeah. I understand. Yeah, you could just say this, but it's more complicated than just one. Yeah. Okay. You cannot answer it just with a simple sentence. Yeah. You'll have to say a lot of things. Yeah. To understand clearly. I understand. Okay. How do you say bye-bye? I don't know how to say bye-bye in France. No, in English or in Bengala? Bidai. Okay. Bidai. Okay. Bourdonnabat. Okay, wow, quelle expérience de fou là. C'était vraiment très sympa de pouvoir... Ils ont pas trop parlé. Ils parlaient bien anglais quand même. C'était cool. Mais on n'a pas pu trop échanger malheureusement sur... ils sont arrivés direct, c'était silencieux en mode... c'est un peu comme quand t'arrives... quand t'arrives dans une salle et ils parlent sur ta tronche quoi. Et t'arrives et ils sont tous silencieux d'un coup, c'est un peu le même délire, sauf que ça n'avait aucun rapport. C'est un temple où il y a vraiment tout quoi, c'est une mini ville. Les gens discutent, les gens. Waouh, ok. Yeah, we have to take more shoes. Les gens discutent, les gens mangent, les gens achètent des trucs. Et là je crois qu'on est vraiment arrivé clairement dans le temple quoi. Okay, this is the temple where people pray? Yeah, this is the most popular temple. Okay, and there is like the... It's like one of the divinity, right? Okay, donc je pense que quand tu dois rentrer, tu dois t'agenouiller, mais je vais pas le faire. Ok, il y a vraiment un autre dans ça. Ça n'a rien à voir avec celui qui est là-bas. His name is Kali. Ah, Kali? Ah, ok. Kali. Okay.
J'ai entendu parler de celle-là, je sais plus comment. Je sais que j'ai entendu parler de Dieu Kali. Hop là. Il y a tout le monde qui va là-bas. So we can go. Moa Peru. Moa? Moa Peru. Moa Peru? Moa Peru. Moa Peru. Ça n'a vraiment rien à voir avec la culture. La culture musulmane. La manière dont, déjà où ils sont habillés, la manière dont toutes les choses se font. Ah, donc ça, j'en prends une petite statue de. You take instant picture? Yeah, let's go. Ah, donc il y a 1000 personnes qui viennent ici par jour. C'est quand même pas tant que ça finalement par rapport à la taille de. La taille de la ville. Tous les gens sont. Namaskar. Ok. Ok, on va maintenant sortir de ce temple. Et en fait, je pense que l'image qu'il y a sur tout le monde qui prie, l'image qu'il y a sur cette image, sur ce grand affiche. Namaskar. C'est that's what it should look like at the end. Okay. Wow. At the end, it's gonna be like super nice, like super. Yeah. Okay, wow. C'est incroyable. Ça ressemble vraiment à la fin. Yeah, 2 years after you come to visit to Bangladesh. Yeah, I will come back in like 2-3 months. Bon, je reviens dans 2-3 ans, 4-5 ans. Il y aura peut-être ça qui sera prêt. You know, I can ask you something. Ouais, yeah. Because we are old and big place, okay? You give me some money. Yeah, how much do you want? Two choices. Okay. 300 choices. Okay. On va donner un peu d'argent pour. Let's give. 300. It's okay? Okay. What is your name? Thibaut. Donc j'ai pas trop donné effectivement, j'ai donné que 300, mais j'ai pas tant de thunes que ça sur moi et j'ai besoin d'entrer chez moi après. Donc ouais, c'est toujours le dilemme, je prends jamais trop de thunes avec moi et je m'attendais pas du tout à arriver ici en fait. Et là bon, ils ont un peu insisté pour que je fasse un don, donc après en vrai voilà, ça fait plaisir aussi de pouvoir supporter les populations locales, mais je pouvais pas trop donner quoi, c'est ça. C'est un peu les tickets de tombola quoi. You want some money? How much do you want? I mean, it's always my choice, but you know, I have no idea. Or... Last 2 days I'm not eating. You have not eaten? Last 2 days. Okay. Now I am going to another place. I'm distancing 6 kilometers. Okay. C'est toujours le moment que je redoute un peu en mode. Okay, let's stop there and I will see how much I have. Comment je redoute un peu en mode. Est-ce qu'on va me demander à la fin quoi? Moi je pensais qu'il faisait à bon cœur, mais bon apparemment non. Il m'a montré le temple et tout. Bon, alors je sais plus combien est-ce que j'ai dans le portefeuille là, ça va être chaud en vrai avec le taxi tout ça. On va voir ce que je peux faire. Bon, finalement il veut pas que je lui donne parce qu'apparemment c'est pas assez pour lui, je vais lui donner genre 300 ou 400, quelque chose comme ça. C'est pas suffisant. Bon. Les gars, c'est pas très grave. Hein. Il va pas m'aider tu vois, mais bon je vais rien demander quoi. Mais quand on me réclame comme ça, je sais pas vraiment quoi penser en fait, de quelle position, de quel côté se placer quoi. C'est assez compliqué en vrai. Bon ici les gars, pour traverser la route, c'est l'aventure. C'est un peu un jeu de... C'est Interville. Pour passer, pour traverser. It's here. It's there. Donc, il vient de me dire que... Ah ok. Ok. Me dire qu'il voulait 10 au final en fait, il y a... parce qu'apparemment vu que je suis un blanc et eh bien je suis riche quoi. Bah, écoute je sais pas comment à sortir de là, je vais prendre un taxi, je vais rentrer à mon hôtel hein. ça va être fait. Ok, so I'm going to continue this way. It was nice meeting you. 500 euros. No, it's not working like that. Okay, have a nice day. Have a nice day. I'm going to this way. Ok. Bon, finalement j'ai rien donné parce que j'étais un peu exaspéré à la fin des tentatives pour prendre pour que je donne de l'argent. J'aime pas trop cette situation en fait où je dois. Où je suis forcé, tu vois. J'aime pas du tout ça. Et malheureusement le Bangladesh n'a pas fait. Bangladesh n'a pas fait exception. Ce qui est un peu dommage. Et à la fin il m'a dit oui, donne-moi 10.
donne-moi 10, ce qui fait 10 balles quoi, à peu près. Et ouais non, c'est chiant quoi, c'est chiant quand on te demande ça. Le mec il m'a dit, oh because you are white, you are rich. Oh it's okay, it's okay. Ouais non, j'ai pas trop cette mentalité de dire ouais, dès que je suis blanc, dès que tu vois un blanc, c'est un riche quoi, rien à voir, aucun rapport. J'aime pas du tout les gens qui pensent comme ça quoi. Donc ouais, un petit peu déçu à la fin, même s'il nous montrait beaucoup de choses. Ouais non, j'aime pas trop la manière dont il a réagi à la fin. J'aime pas trop cette manière dont il a réagi. Mais c'est pas grave. Écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Coiffeur, bouffe. Yeah, I don't like the way you are asking me that, you know? I don't like the way you... Yeah, I was going to give you like 200 or 300. But you told me you like to come here. C'est ça le problème en fait. Et tu viens me suivre. Hein? Yeah, I'm going to call the taxi. Yeah. I'm going to call the taxi. This way, no? Yeah, this way. Not I don't really choice. Like, to be honest, I don't like the way you are treating me like. I know, your choice. Yeah, it's my choice, so my choice is to not give you money now. Earlier I wanted to give you, you told me, oh no, it's not enough, yeah, I want 10. This time I'm really sorry. No, it's not working like that. I'm sorry, but it's not working like that. You can tell me like, oh, give me 10, give me 20, and then you give me... I'm really sorry. No, it's not working like that. I know you are sorry, but I can't accept that kind of thing. Okay, I'm sorry. Okay, can we go? Yes, please. Okay, perfect. Oh. Okay. Bon, il est temps de s'échapper les gars, j'en ai marre de la manière dont tu m'as traité là à la fin. Ouais non, c'est vraiment très limite. Je suis vraiment... Je veux bien être gentil, tu vois. Ouais, Thibaut t'es riche, Thibaut c'est pas grand chose. Non, c'est pas le cas, les gars. C'est pas le cas. Et quand on parle, quand tu viens de me faire en mode 8, donne-moi 10, et puis après me dire ouais, 5 c'est pas beaucoup, 4 c'est pas beaucoup. Non, c'est pas cool, les gars, c'est pas cool en fait. Maintenant, faut que je dise non en fait, tu vois. Voilà, faut savoir dire non parfois. Là, c'était trop en fait. Là, c'était trop, surtout que j'avais rien demandé. Surtout que. C'est que plein de raisons, toi-même, tu l'as vu en vidéo. Enfin voilà, c'est complexe, mais t'es un peu à la place. Enfin voilà, malgré tout, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, putain, je termine sur une note un peu salée là, c'est chiant quoi, tu vois, genre une mauvaise expérience, ça te met dans un état pas possible. Et puis surtout, ça veut dire que depuis le début, il s'attendait à ça en fait, depuis le début, il espérait ça. Alors que moi, je pensais que c'était un mec qui voulait juste m'aider comme ça en anglais, bon, c'est pas cool. Bref, écoute, j'espère que t'as kiffé cette vidéo malgré tout, je suis reparti en petit vélo là. C'était pas facile de partir à la fin, il arrêtait pas de me coller, il m'a suivi partout, enfin à la fin je lui dis ciao, il m'a dit ouais non, finalement donne-moi de l'argent. Bon c'est pas grave, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, va me dire ton avis dans les commentaires, ce que t'en as pensé, si tu kiffes les aventures au Bangladesh. Et n'hésite pas à aller me follow sur Instagram, tibit.jones, je poste tout en direct dessus, donc là si tu veux voir ça, toutes ces images là en direct, eh bien tu vas me suivre là-bas. Ok, on se dit à la prochaine vidéo les gars, c'était Thibaut, allez à bientôt.